Salut tout le monde, c'est Hartman et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tomb Raider Anniversary. Donc aujourd'hui on va faire le palais de Midas. Mais comme j'ai eu un bug dans la vidéo précédente, en gros j'ai terminé pratiquement le palais mais j'ai eu un bug. Donc je sais exactement ce qu'il faut faire ce coup-ci. Hein? Allez singe! Faut pas grimper hein! Ça peut être con les singes! Ils sont restés en bas comme des cons à se faire tirer dessus! Donc comme je disais, le niveau, j'ai déjà pratiquement terminé. Donc je sais ce qu'il y a à faire. Là, vous allez me voir beaucoup moins chercher. Donc, ah, il y en a encore un. Coucou. Ok. Donc, ici c'est la statue du roi Midas. Pour l'ouvrir, pour ouvrir la porte de fin, il faut 4 lingots qu'on doit mettre dans les emplacements. Des lingots d'or. Donc là, il y en a un qui est déjà mis. Donc il en faut 3 autres. Alors dans ce niveau, on ne trouve pas des lingots d'or, on trouve que des lingots d'argent. Qu'il faut mettre après dans la main de Midas pour les transformer en or. Et voilà, ça marche comme ça. Donc là, je vais aller plutôt vite. Je sais ce qu'il faut faire. Donc, dans cette salle-là, quand on active le levier là-haut, ça lève les piliers. Donc ici, il y a... Boum. Donc là où il y a un secret, là-bas il y a un lingot, et là-bas il y a une relique. Alors, ici il y a une porte qu'il faut ouvrir. Avec le mécanisme là-bas. Yep. Ah, ça va plus vite hein, quand on cherche pas. Alors ça, il faut s'en servir pour un truc bien spécial. Suite. Je vais le positionner là pour l'instant et je vais montrer bientôt comment on s'en sert. Ah, il y a un clavier. Oh, je prendrai tout à l'heure. Là, photo commence à monter. Bon, tant pis, on va éviter de se faire planter. Non. Allez, fichu caméra. Alors, comment? Donc, tout de suite, on va aller chercher. Le secret qu'on a pu voir à l'instant au fond. Hop. Voilà. Premier secret. Là-bas.
escalier. Voilà. Donc là. On active le levier pour que les piliers se lèvent. Et là, on pousse la caisse comme ça. Quand le poteau, le pilier va redescendre, il va se retrouver coincé par la caisse. Sinon, il redescendait beaucoup trop vite et on pouvait jamais le grimper pour récupérer la relique. Eh hey. Le truc, il attend que je saute dessus pour redescendre. Je marche en appuyant comme ça. Bon, je le saurai. Puis si j'appuie là. Ah ah. On recommence. Et dire que si elle avait amené avec une échelle, bah. Ça a marché. Non, il redescend trop vite. Donc là, je remonte et je vais faire ça une dernière fois pour récupérer la relique. Là, ça va, je me plante pas trop. Quand on sait ce qu'il faut faire, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Et une relique. Allez. Tada. Oiseau sacré de Destina, la chouette était symbole. Un symbole populaire de sagesse. Donc là, c'est bon. Non, je peux m'en retourner.
statistique niveau. Ouais, c'est bon. J'avais peur qu'il me retire mes drops. Caméra à la gomme. Sympa quand même la déco, mais ça aurait été plus simple de prendre un hélico et d'arriver par ici. J'aurais moins long à voyager parce que descendre en rappel ici c'est simple, mais non, tellement mieux de passer par tous les temples. Alors à droite, si on grimpe, on arrive au balcon, mais ça sert à rien pour l'instant. Tiens, je vais le faire quand même. Hop, voyez. Parce que là, il y a une corde. Puis on peut grimper nulle part. Je descends. Le lingot de plomb est là. Mais oh non, on peut pas le prendre, on peut pas escalader là, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on va devoir inventer pour le récupérer? C'est quand même bizarre le coup de recharger sans appuyer sur R. Oh, un singe. Je l'ai tué, le lion. Enfin, la lionne. Le gogorille, il est pas parti. Voilà, vous pouvez voir, c'est super dur de deviner ce qu'il faut faire. Ouais, sauf que j'appuyais pas sur le bon bouton. Mauvais bouton, j'ai du mal aujourd'hui. Allez, ah, boum boum. Ouais, voilà, un malin tout cassé. Ping pong pong. Deuxième lingot de plomb. Je suis tout le temps en train de vérifier mes munitions. Oh là là, il y a du sassable partout. Aller au balcon. Ah, il y a vraiment tout qui est cassé. Hop. Non. Ah oui, le sable. Elle n'arrive pas à grimper sur du sable. Ça glisse le sable, c'est bien connu. Faut sauter là.
choper l'anneau, s'accrocher là-bas. Et puis, vous allez bien voir. Ça va beaucoup plus vite quand on sait où on doit aller. Comment est-ce tortille quand elle fait de la cordelle? Là ça va, on saute ici puis en face on attrape là, on fait gaffe à pas tomber dans le trou sinon on doit tout recommencer. Voilà le super saut qu'elle nous faire. Oup, comme ça. Alors là, normalement, si on veut, on peut se balancer puis se faire un saut arrière pour récupérer de la vie. Mais... Je vais louper mon coup et ça va mal finir. Donc, je le fais pas. Et là, il va y avoir des singes. C'est plus simple de reculer. Loupé. Ah, c'est moi qui l'ai loupé. Je suis bloqué. On charge. Changer de flingue de temps en temps. La dernière porte, c'est après que ça se complique. Il y a des bugs dedans. C'est à cause de ça que j'ai dû recommencer à faire la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plein de piliers partout. Avec des anneaux, de plein de trucs à grimper. Là-bas dans l'eau, il y a un crocodile. Et on peut pas l'avoir d'ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans l'eau. Et le regarder arriver. Quand il arrive, il faut sortir de l'eau. Et voilà, un beau sac à main tout neuf. Donc là, je recharge. Alors. Savoir qu'il y avait un levier ici. Tadam. Alors après, je sais pas si le bug va se déclencher ou pas. C'est parti. Ah non, c'est pas déclenché. Et voilà, c'est... Enfin, si. Ah non, il s'est pas déclenché. Enfin si, il s'est déclenché. Ça a bugué. C'était un event, normalement, et... Et là, il s'est pas déclenché.
coup, c'est nettement plus facile. Non, c'est abusé. Bon. Là, je vais le faire comme ça pour l'instant. Et la fois d'après, vous allez voir, ça va être moins de la rigolade. Ah non, ça fait plaisir quand même. Alors, est-ce que le second bug il marche? Allez. Bon, bah, j'aurai pas la relique. Allez comprendre pourquoi. Pas tout de suite, mais. Là pour l'instant, c'est la grosse rigolade. Quoi? Ah ouais. Je sais bien. Parce que là pour l'instant, vous dites, mais c'est trop fastoche. Et c'est vrai. Je sais pas pourquoi ça se déclenche de temps en temps, des fois ça se déclenche pas. Ouais, ça vous prie. Vous allez voir comment je vais en baver tout à l'heure. Yop, lingot de plomb. Parce que là, là sinon, c'est trop fastoche. Hein. Attention. Maintenant, je sais faire les plongeons. Là. J'en fais de temps en temps. Attention les yeux. C'est là que ça va commencer à être chaud. Ah bah non, j'ai activé, je suis bête. Attention les yeux. On sait pas là. Nombre de fois on tombe et faut tout recommencer. Comme là. Allez. Non, 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 tombe pas. Alors là, je ferai peut-être une pause si je pars trop de fois. Attention. C'est chronométré. Tiens, c'est parti. On va se mettre à courir en nageant.
Non! Bon bah voilà. Mais c'est foiré. Non, je vais recharger là. Ah non, bon. Bon. Je vais pas m'acharner, hein. Bon allez. Ça sert à rien. Par contre, j'ai entendu un truc bizarre tout à l'heure. Non, il me l'a pas compté. Il me fait le bruit et mystère, mais... Donc, faut que je retourne là-bas. On est obligé de recommencer ça à chaque fois. Parce que la relique, elle est sous le poteau là-bas. C'est lui qui se lève. Casse-pierre, commencer 50 fois. Surtout que comme avec le grappin au-dessus que j'ai pas réussi à toucher les barres, je me prends les flammes dans la tronche. Donc je perds beaucoup de vie. Là c'est le dernier essai. Si je loupe, je loupe pas, je recommence pas parce que ça va durer 15 jours. Allez, nage plus vite, feignante. Allez. Non! Bon, bah voilà. Je vais pas insister parce que je vais m'énerver sinon. Vous allez vous embêter. Donc, je bricolerai quelque chose. Je vais piquer la sauvegarde de quelqu'un d'autre ou je sais pas ce que je vais faire, mais. Je les ai perdus dans le couloir. Voilà. Ils sont vite les munitions de ce truc là. Tiens, je vais vous montrer un truc. Attention, il a bien les yeux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh bobo! Oui! Aïe! Aïe! Ah! Ah, les doigts, ils sont pas en or. Le bug. Et 3. Donc, j'en mets un là. Et d'une. Enfin, et d'un. Et deux. Et... 3-3.
Et voilà. C'est fini. Mais il me manque une relique et ça me rend malade. Alors, je sais pas comment je vais bidouiller pour avoir ça. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!